L'économie de la connaissance, c'est ce qui va permettre de faire passer notre économie à l'échelle suivante. Si on réfléchit bien, la première fois qu'on a voulu faire un moulin à grains, on avait un boulanger qui fabriquait du pain. Il a rencontré un expert charpentier qui lui a permis de faire des engrenages. Ils ont mis tout ça dans l'eau, ils ont rajouté un tailleur de pierre et grâce à l'ensemble de leurs connaissances, ils ont fait passer un métier à l'ère industrielle. Ils ont permis de nourrir toute une population. À notre époque, transvasée avec un petit peu plus de connaissances, bien entendu, quand on fait collaborer les gens, on est capable d'aller sur Mars. L'intérêt de Connecti, c'est de rendre possible cette mise en relation. Parce que souvent, on ne se rend même pas compte de ce qu'on ne sait pas. On ne se rend pas compte de l'accélération que pourraient offrir des experts dans des domaines auxquels on n'a juste jamais pensé comme étant des solutions à sa problématique. En décrivant en langage naturel une ambition, qui traduit par un moteur d'intelligence artificielle en des besoins scientifiques, on est capable de se rendre compte de ce que certains domaines très spécialisés pourraient apporter au projet. Et là, on accélère. Pour ça, il faut une masse critique. Une masse critique que Connecti est capable d'apporter de par son échelle intrinsèquement ambitieuse dès le début, dès cet ICO. Mais il faut aussi ce moteur d'intelligence artificielle qui garantit de détecter les complémentarités de métiers, les complémentarités d'expertise, les besoins et les apports de chaque domaine. Et enfin, c'est bien beau de savoir qu'il y a d'autres gens qui pourraient vous aider, mais c'est très important de disposer de l'outil qui vous permettra de collaborer efficacement. Parce que sans outils, les choses ne se transforment jamais en réalité. Et Connecti, moi, ce que j'en attends le plus, c'est justement de me fournir à la fois cet écosystème d'experts, cette intelligence qui va traduire mes envies en axes pragmatiques de mise en contact, et les outils opérationnels pour dialoguer avec ces experts, pour qu'on puisse concrètement avancer et faire mon but à moi, c'est-à-dire sortir des produits utilisables et marketables sur un marché.